Shalom, et ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On va juste faire une petite vidéo pour échanger sur le Tecno Spark Cassette. Donc Tecno a fait sortir un nouveau téléphone, donc le Spark Cassette. J'ai eu l'opportunité de pouvoir le tester pendant plus de 2-3 semaines, un mois pratiquement. Et je vous donnerai dans cette petite vidéo là mon avis sur ce Tecno Spark Cassette. Allez, restez connectés à la chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, lâchez le petit pouce bleu. Si vous aimez aussi les vidéos qu'on fait, n'oubliez pas d'activer les notifications. Vous serez ainsi informé de tout ce qui sortira comme nouvelle vidéo, etc. Donc restez connectés à la chaîne, on démarre juste après ça. Donc, ravi de vous revoir. Voilà, aujourd'hui on parlera de quoi? Du Tecno Spark Cassette. Après quelques semaines d'utilisation, je vous donnerai mon avis sur ce téléphone. Donc, on va commencer par le design du téléphone. Le téléphone a un très beau design. Voilà, le design du téléphone est un très beau design. Une coque en plastique, oui, mais avec des bords arrondis, avec une allure de iPhone. Et Tecno ne se le cache pas. Un téléphone qui a une allure de iPhone, on retrouve aussi un petit peu l'allure du Camon 6 de Tecno Mobile. Donc vous aurez entre les mains un Camon 6 Lite, voilà, on dirait comme ça, et un iPhone Lite. Pour la taille de l'écran, 5.5 pouces, pour moi qui suis un fanat des grands mobiles, je suis à l'aise avec ce téléphone là. 5.5 pouces, c'est une résolution, une taille d'écran que j'apprécie énormément. Pour ce qui concerne la RAM, donc le téléphone offre 1 giga de RAM, ce qui est un tout petit peu limite, c'est même pas un tout petit peu limite, mais c'est limite pour une utilisation vraiment poussée du téléphone. Vous pourrez avoir un téléphone pour faire des usages basiques, même si vous voulez pousser, vous serez un peu limité par la RAM. Mais moi, le stockage interne, on retrouvera 16 gigas de stockage interne, ce qui est suffisant pour pouvoir installer tout ce que vous voulez comme application et pouvoir utiliser le téléphone à bon escient. Pour ce qui concerne la qualité de la photo, sur ce point-là, Tecno a fait fort avec un appareil photo de très bonne qualité. Je vais vous mettre là des photos que j'ai faites avec le téléphone et aussi dans la description un lien vers l'article que j'ai écrit sur le blog Phone Roll pour pouvoir un test photo que j'ai fait avec le Camon, le Tecno Spark Cassette. Voilà, vous pourrez avoir une idée de ce que ce téléphone là a en matière de photo, en matière de selfie également. Le téléphone s'en sort pas mal. Le téléphone est 3G, petit bémol. Voilà, donc Tecno n'a pas jugé bon d'ajouter de faire ce téléphone avec la 4G. Bon, on retrouve sur le marché des téléphones dans le même mode de prix qui offre la 4G. Bon, donc ce téléphone a 1 giga de RAM, 16 giga de mémoire interne et il est uniquement 3G. Bon, dans tous les cas, moi dans la zone où je suis, la 4G c'est pas trop ça. Donc je profite tranquillement de la 3G avec le téléphone. Voilà, pour l'autonomie, le téléphone arrive à tenir facilement un jour de la journée. Il arrive à faire même plus un jour et demi, voire deux jours quand j'utilise pas trop le téléphone. Voilà, donc c'est la batterie, l'autonomie est assez excellente. Pour ce qui concerne la capacité, la puissance du téléphone, le téléphone arrive à faire tourner certaines grosses applications comme Rearview, j'ai installé Rearview là-dessus, j'ai Rayman, j'ai des grosses applications qui tournent sans souci, des gros jeux qui tournent sans trop de soucis. Donc n'avez pas à vous en faire à ce niveau-là. Seulement, comme je l'ai dit, la RAM est un tout petit peu limitée, donc vous serez limité aussi dans le nombre d'applications et dans le multitâche. Voilà, donc concernant le rapport qualité-prix, je trouve que le prix est actuellement au téléphone coûte autour de 56 000 francs. Je vous mets aussi en description un lien d'affiliation pour que vous puissiez l'acheter si ça aussi vous intéresse. Voilà, donc 56 000 francs, vous avez envie d'acheter le Tecno Spark Cassette, vous pourrez l'acheter depuis le lien en affiliation. Ça me permet de pouvoir gagner un peu. Ok, donc c'est un tout petit peu ça. Voilà ma petite review de ce nouveau Tecno Spark Cassette. Si vous avez des commentaires, des questions, je suis disponible. Lâchez vos commentaires, laissez les questions. On va pouvoir échanger tranquillement sur les questions. N'hésitez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Lâchez les petits pouces bleus si vous aimez les vidéos qu'on fait. Rendez-vous chaque mardi. On va avoir une nouvelle vidéo chaque mardi à 10h30 GMT. Une nouvelle vidéo sur la chaîne. On parlera de tech. Si vous avez aussi des sujets, je suis disponible pour pouvoir les mettre en vidéo. Voilà. Donc c'était Zendaka pour Phone Roll. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Allez, à la prochaine.